god. La carène. Cette cinématique d'introduction. Qui êtes-vous? Je suis... Qu'est-ce que je peux être? Oh, voilà. Ah, nordique. Let's go! Qu'est-ce que c'est que ça? Derrière! Vous discuterez plus tard! C'était moi! Bah oui, bah c'est bien, ça commence bien ça. C'est pas moi. Yes. 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 La libre et Rivebois. Ta mère. Mon oncle est le forgeron. Non. Non. On voudrait sans doute mieux nous séparer. Non. Bonne chance. Non. Je n'aurais pas réussi. Je vais par là. Je t'emmerde. Je t'emmerde. Je t'emmerde. Bon, on y est enfin. Salut à tous. C'est Cyanure et bienvenue dans comment on rengaine. Et bienvenue dans un épisode, un début. On recommence. Ça faisait longtemps. Putain qu'il est beau ce jeu, je ne me rappelais pas, mais en même temps je vais essayer de vous expliquer. Bienvenue sur Skyrim. Nouvel épisode. Nouvel livre, puisque ceux qui ne se rappellent pas, enfin ceux qui connaissent la chaîne depuis longtemps voient sûrement ce qui est en train de se passer. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, je l'ai déjà fait. Malgré le fait qu'il soit absolument superbe. Par là. Donc les livres, qu'est-ce que c'est? C'est simplement mes saisons de Skyrim. Chaque livre correspond à un personnage. J'avais déjà fait 4 livres à l'époque de Skyrim. Disons que la chaîne a connu son plus grand succès avec Skyrim. Parce que j'ai fait des vidéos quasiment dès le jour de sa sortie et assez rapidement il y a eu du monde qui a commencé à regarder ma découverte de Skyrim. Et puis bon, avec le temps j'en ai eu marre de mon premier personnage. Donc c'était pas des vidéos en continu, hein. Je filmais vraiment ce que je voulais. Je filmais d'ailleurs principalement pour présenter le jeu. Puis après j'ai fait un deuxième livre avec un autre personnage qui était plus axé mage. Le premier était plutôt un archer. Puis un troisième avec comme objectif de faire les masques de prêtre dragon, qui était une grosse quête assez intéressante mais assez répétitive aussi. Et puis le livre 4 qui était donc le tout dernier livre où j'avais fait la guilde des assassins, qui était plutôt cool, mais à partir de là disons que la série avait plus trop de vues et tout, donc j'ai décidé de laisser tomber. J'avais promis un livre 5, j'avais dit que je le ferais, je ne vous avais pas dit quand, je vous avais dit qu'un jour je reviendrais sur Skyrim, j'y suis revenu, j'ai essayé tout récemment à force de entendre parler de The Elder Scrolls Online et de tout le toin-toin. Voilà, exactement ce que je voulais pas faire. Alors en plus c'est génial parce que quand je vais vous dire un petit peu quelle va être la spécificité de votre livre, on va rigoler. Non, la ville la plus proche est Rivebois. Ouais, j'étais en train de me présenter et voilà, ta gueule. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs. Le fait d'avancer. Donc, je suis de retour dans Skyrim avec un nouveau personnage extrêmement moche. Et j'ai décidé de ne rien faire de spécial. En fait, je vais filmer en quasi continu. Je couperai les moments de grand voyage et tout le toin-toin.
Mais il va y avoir quelques spécificités à cette... Ouais bah d'accord, ok, je suis à moitié dans la roche. À cet épisode, série, enfin tout ce que vous voulez. À ce livre, hein, tout simplement, il faut que je reprenne l'habitude de dire livre. La spécificité, ça va être que... alors déjà, petit truc, c'est qu'on va passer en difficile. Parce qu'en normal, bon... donc ça, ce sera la petite spécificité, c'est qu'ils seront difficiles, mais jusque là, c'est pas non plus une grande particularité. L'autre particularité, ce sera que je n'aurai qu'une vie, une seule vie. Donc la série, vous connaissez maintenant la fin de la série, ce sera quand je mourrai. Ceci dit, je m'autorise une fois par tournage à mourir par chute, sachant que la chute que je viens de faire ne compte pas du coup. Je m'autorise une fois par tournage à mourir par chute, parce que bah, c'est assez fréquent, vous venez de le voir. C'est assez fréquent comme vous venez de le voir. Et non non t'en fais pas. Non. Fuck. C'est assez fréquent. Donc voilà, je me donnerai une chute par épisode mortelle. Et sinon oui, dès que je mourrai, la série est finie. Donc c'est une série hardcore si on peut dire. C'est-à-dire une seule vie autorisée. Après c'est la mort. Et autre petite spécificité, je n'utiliserai pas la carte. Donc je me démerderai pour me guider. Donc pas de voyage rapide hein, par du coup par ce. Alors je connais ceci dit bord de ciel un petit peu, Skyrim. Mais pas de voyage rapide, donc je me démerde pour voyager. J'utiliserai les carrioles parce qu'elles sont complètement du jeu. La seule carte que j'utiliserai c'est celle qui est affichée là à 1 mètre de moi, qui est la carte de, qui est faite avec le jeu. Bon là je sais qu'on est vers je me rappelle plus des villes. Mais voilà, on est vers Elgin qui va se faire attaquer par Albin. Je ne ferai pas la quête principale. Si, je vais avancer jusqu'au dragon quand même. C'est le but de ce premier épisode d'ailleurs. Alors on peut revenir à Elgin qui vient de se faire défoncer le cul. Mais il n'y a rien à trouver, je crois. À part des décombres. Ouais, il n'y a rien à voir ici. Donc on va se casser. C'est quoi ça? Donc voilà ce que c'est, on va déjà aller chercher les pierres qui me permettent de définir si je vais être plutôt guerrier ou pas. L'autre truc c'est que, alors ça va pas être trop roleplay si je m'en fous. Donc c'est vraiment un livre au plaisir, hein. Je suis en masquerie mais je vous en fais profiter. Et puis une mort et puis c'est terminé, donc la série devrait pas être trop longue. J'ai pas l'intention qu'elle soit longue de toute façon, je pense pas faire tellement d'épisodes que ça. C'est bon, je jouerai pas entre les tournages. Mais je ferai des tournages un peu plus longs mais beaucoup coupés. Parce qu'il y a plein de petits voyages que je veux me débarrasser. Autre petite spécificité. Oui donc du coup je vais essayer d'avoir une vie de brigand. Principalement parce que comme vous l'avez vu, je suis moche. Ah, fuck. Allez. Putain. De flèches. Ah. Bon, il faut que je vais trouver la pierre du guerrier ou du que l'autre merde qui est le début. On est où là? Je suis un peu où là, je crois. On va pas perdre mon mort de chute maintenant. Ce serait cool. Ah, il faut que je vais. Je chatte, je braconne. Et ça me fait. Regardez donc. Quoi, tu es un bracon? C'est pas cool. Ah. Tiens, bah laisse-moi te vendre. Mais non. Regardez donc. Oui, ta mère. Oh, je te rends ma peau d'ours. Merci. Bonne journée. C'est ton chien? Vous n'auriez jamais été ici. Non. Non. Rien du tout. Ah. Aïe. Ah putain, arrête de bouger mec. Aïe. Vous avez le temps de faire vos adieux? Oui. Wow, tu vas pas sortir l'arc comme ça. Pitié. Pas de pitié. Ce sera le principe. Je te rendrai sûrement à quelqu'un d'autre.
Ah, cette armure m'intéresse. Oh, un chapeau. Merci. Alors, tenue. Je vais mettre cette bague. Ah, c'est l'armure en peau est moins bien que l'armure Lucers. Oh, ça y est, j'ai la classe maintenant. Avec ma tenue en peau. Je suis un vrai brigand, hein, et je suis moche. T'avais pas une pioche aussi? Sauvegarde. Oh, je peux tomber sans me tuer. Je sais plus combien de dégâts on prend. Je crois qu'assez rapidement on meurt. C'est une putain de pierre. Ah oui, il y a ça aussi pour me guider dans la nature. Riverwood, ouais bah je pense que c'est pas là qu'on va aller. De toute façon il faut que j'avance sur la quête principale. Là. Guerrier, je pense. Même si je vais faire un petit peu de tout, hein, je vais pas me limiter au guerrier. Bon, j'adorerais. Ah, oui, d'accord, je m'en rappelais pas que ça balançait un rayon laser dans le ciel, ça, mais. Alors, on va se brouiller d'activer les dragons. Oui, il y a des ennemis ici. Ça va? Mais direct. Merci. Ah. Hey. Attends. Bandage de pisse. Ah là on a la pisse. Bon bah du coup on va rentrer là-dedans en mode sticky. Puis on va voir ce qu'on va faire. De chargement et puis si je peux me taper mon premier niveau ça peut être bien aussi donc voilà ce serait un premier long épisode mais voilà le but là c'est vraiment de défoncer le dragon d'ici la fin de l'épisode pour ça faut que j'arrête de faire des trucs secondaires mais surtout qu'il va falloir aller dans la mine à la con là. Oh, je vais faire ça. Ah ouais non je me rappelais pas que c'était le genre de piège. Je croyais que c'était un truc qui allait arriver d'au-dessus et rouler. Putain j'ai bien fait d'avancer moi. Sinon j'étais mort. Vous n'avez pas sinon le qui est là? Qu'est-ce personne? Non. Nobody. Rien du tout. Non non non. Non. Je vous ai dit que quelqu'un montait la garde. Oui. Attaque surprise. Attaque surprise. Ah ouais? Va dire ça à ton pote. Connard. Oh il s'est jeté sous ma hache. J'ai pas souvent joué à deux mains moi. Donne-moi de la DM. Fan de l'hydromel. Merci mec, vous êtes bon. Vous avez des potes? Ça fait des jours qu'ils me font travailler ici, esclave. Okay. Ah, je me fous de mes couches. Salut! Bon, ça va sinon? Ah, bouffe! Ma hache! Ah putain, il s'est dédoublé! Ah non, c'est pas. Oh là là, mon perso est tellement moche! On dirait un vieux violeur d'enfant. Et donc, maintenant que j'ai un niveau. Alors attendez, comment on fait? Alt, tab. Je veux des
va améliorer ma vidéo. Oui. Et il y a plein de trucs, oh là là, je me rappelle, oh, ça fait du bien de rejouer à ça. Il va falloir une arme pour ça. Oh là là, demain 27. Putain. Ouais, donc je suis déjà bien parti pour avoir des compétences à demain, moi. Voler à la Tyrol, voler à la Tyrol, je vais le péter aussi. La magie, pas tellement, je pense. Le demain, les armes à demain affichent 20% de dégâts supplémentaires. Yeah! Je veux. Alors, les vidéos Skyrim, je pense qu'il va y en avoir moins maintenant, parce que The Elder Scrolls Online va sortir et puis il va y avoir plein de trucs, j'imagine. Il va de sortir, par exemple. Ah oui, c'est pour savoir où aller par rapport à l'objectif. Vous auriez dû suivre votre carte, camarade. Je n'en ai pas en fait, c'est le principe du livre. Ah putain, mais le visage que mon perso tire à chaque fois qu'il assassine quelqu'un, quoi. Merci pour la clé. Je pense que c'est la clé dont j'ai besoin pour aller là. Ça peut être marrant pour pas lancer des sorts complètement random. Tenue, alors du coup j'aurais dû piquer une armure lourde sur un impérial. Et du coup on s'en bat pas maintenant. Ah pas mal, on a la première étape de gants sympathique. Le jeu n'est pas modé à l'heure actuelle, il le sera. Mais j'attends déjà de faire d'arriver au dragon. Regardez-moi ce coquin là-bas. Ah mais non, vous savez pas d'où ça vient les mecs. Oh. Non, tu ne sais pas. Ah, tu le sens le 20% de dégâts. Hein. Oula, lui aussi il fait mal. Ah, du coup j'ai mon cri de guerre, attendez. Ah, 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 il flippe sa mère. Attends, ouais, oh mec! Putain, j'ai plus aucune vigueur. Oh! Ah, j'espère que ta colonne vertébrale, t'avais pas l'intention. C'est quoi cette manière de mourir? Enfin. Merde, j'ai pris le marteau d'acier. Bah, le marteau d'acier est pas mieux d'ailleurs. Si, j'ai un marteau de fer maintenant, j'ai besoin. Ouais. Ah, merci pour le marteau, mec. Par contre, les marteaux, c'est genre super lourd quoi. Les haches, c'est un peu équilibré, il me semble. Mais les marteaux, c'est trop lourd à bouger. Y'a quoi ici? Ah oui, c'est vrai, les lifts augmentent des trucs, oh putain. C'est établi, ouais, mais j'ai pas l'intention d'être forgeron. Enfin, je veux dire, je suis un prix, je suis pas un citoyen qui aide les autres. Je suis un petit bonhomme de chemin, moi, j'aime personne. J'aime personne. Le but ça va être de se faire de la thune aussi. Maximum de thune dans ce moment. Le but ça va être d'être riche. Ultra riche. Pomme de caille. Ah y'a un coffre. Ah mais non, je peux pas passer comme ça. Ah coffre novice. Mine de rien, vu que je vais rien pouvoir me forger, rien pouvoir et tout, le mieux c'est de... et l'avantage du dégât, ça va être que, il faut que je récupère un max d'or pour bah, utiliser en magasin. Pour faire un peu de commerce et tout, peut-être améliorer le gros. Il y a piège pour rien. Ah, regardez, je suis dans des eaux. Ok, allez, on se casse. Et puis, maintenant, on va tenter de... On va tenter de... Je sais plus ce que je dois faire. Ah oui, il y a une quête avec une griffe en or. Je vais juste aller prendre cette quête dans ce bois de pourri là. Allez, pour activer le dragon, ouais, il faut que je fasse la quête. Là. Vraiment jusqu'au dragon. Tiens, il y a le Cargapen. L'Entorman. Je sais plus si on a le droit de tuer. Je crois que c'est un Oncle Alvor.
Je vous salue. Salut. Je reviens. Ah merde, il n'y a pas grand. Mais quelle heure? Je ne peux pas savoir l'heure. Ah si. Si je peux. 4:46. Vous est-il arrivé, mon garçon? Il faut qu'on parle. C'est pas tous les jours qu'on a des visites avec toi. Que pouvez... Les gens sont furieux et ils ont raison. Mais est-ce que ça va? Les Nordiques ont toujours soutenu l'Empire. Et l'Empire a toujours été bon pour rien à battre. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe? Que faites-vous ici tous les deux? Oh, merci de me donner tout ça. Un dragon a attaqué ma chère. Ça explique ce que j'ai vu. C'est un dragon. Le Jarl doit... Nous devons demander au Jarl Balbus de Blanchefleet d'envoyer autant de soldats que possible. Adressez-vous au Jarl. Ta gueule. Sigrid va vous préparer quelque chose à manger pendant que vous nous direz. Ce n'est pas vous que j'ai vu parler à Sven. Un dragon. J'ai vu un dragon. Peu importe. Ta mère. En tout cas, quoi? Sven. Fendal pense qu'il peut me dérober Camilla Valerius. Je n'arrête pas non, de lui répéter qu'elle est déjà morte. Il était aussi grand qu'une montagne aussi noire. Juste, non, pareil. Il peut survoler la terre. Rive. Bon, rien à battre. On va attendre jusqu'au lendemain matin. On va attendre, ouais, 15 heures. Bon. Des dragons maintenant. Vous avez parlé toute la nuit. Si vous continuez ainsi, tout le monde en ville vous croira folle. Comment rendre ces trous de Balman? Et j'ai mieux à faire qu'écouter vos derniers délires. Tu verras, c'était un dragon. Peut-être que tu me croiras quand il nous tuera tous. Ah putain, fallait attendre que lui rentre. Mais en plus, c'est pas du tout cette maison. Oh là là, je suis trop con. C'est celle-là. Le marché de Rivebois. Le mec qui allait attendre 40 heures. Ah, ouvre-toi, putain de merde. Il faut bien que quelqu'un fasse quelque chose. J'ai dit non, pas d'avant. Je ne sais pas ce qu'on... Ta gueule, oui. Une décoration, hein. Sans blague, je vais recevoir de l'or pour mon dernier chargement. Il est à vous si vous me rapportez cette griffe. Ok, c'est cool. Tu vends quelque chose? Montrez assez... Ouais, c'est ça. Ta gueule. Un peu de tout. Ouais, bah tiens, prends. Je viens de les acheter, là. Acheter. L'or que je m'étais fait perdu dans cette connerie. On va se refaire. Hop. Prends un bouclier. Ouf. Ensuite, non. Nourriture, non. Rien de foutre. Tiens, hop, l'alchimie, je m'en branle. Hop. Bon, pourquoi pas. Hop, merci. Si vous pourchassez ces voleurs... Rien à foutre, rien à battre. Il y a aussi une beauté. Rien à battre aussi. On ne trouve nulle part comment ailleurs en les bord quêtes. Échappe. Quête. La griffe d'or. Sûr. Ouais. Non, mais je m'en fous. Vraiment, les mecs. Je veux juste... il faut que j'aille où déjà pour la griffe d'or. Ah, là-bas. Ouais, là, il y a la tour, je m'en rappelle. Ok, let's go. Il fait moche. J'aime bien, il y a une belle ambiance. Je crois que le courant m'entraîne aussi, ça c'est classe. Ah non, c'est pas ça. Putain, mais pourquoi taper avec un marteau quand je peux taper avec un marteau? Oh, ça met nous, ça, c'est plus cool, mon gars. Je pourrais me cacher là et attendre que la puissance... Je mettrai des mods sûrement pour améliorer un petit peu les textures. Ah, la flèche dans mon cul! Merde, attends! Ma masse d'armes, elle est pas... Damette. Qu'est-ce que je fais?
bien comme ça.